Bonjour tout le monde, c'est Belano, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de Uncharted The Night on Drake Collection, le jeu qui regroupe les 3 Uncharted sortis sur PS4. Donc on avait commencé, okay. Je crois qu'on tient le on bon était entré dans ce sort Après de temple. Ça, on a plutôt intérêt. Ah, donc je m'étais arrêté au bon moment, on s'était arrêté avant la fin. Comme ça, ça met un peu de suspense dans la vidéo. Alors qu'est-ce qu'on a trouvé? Oh, wow. Le temple a dû être construit autour. Autour de quoi? D'une statue. Une statue en or. Une énorme statue en or. Et regarde ici, ces gens, ils vouent un culte à ce truc. Enfin, si c'est bien eux. Bien sûr. Eldorado, l'homme doré. Sully, c'était pas une cité d'or, c'était ça, une idole en or. Mince, t'imagines ce que ça peut valoir à l'heure actuelle? Regarde ici, des traces. Les Espagnols ont dû la transporter sur des rondins. On a 400 ans de retard sur ce coup. Donc la piste est froide? Ouais, on dirait bien. C'est pas vrai. À moins que... À moins que quoi? Qu'on suive les traces? D'accord. Donc ils veulent suivre les traces d'une statue qui a été bougée il y a 400 ans. Ouais. Je veux bien. Oh, on ressort dehors, ça va être beau. Ça s'arrête là. J'ai l'impression que le mur à l'arrière du temple a été détruit. Ouais, les Espagnols ont dû s'aménager à raccourci pour sortir le trésor. Super. Et maintenant? Mais voilà, c'est fini, on n'a plus de traces. On va continuer, mais ils avaient pas de voiture pour transporter le truc, genre ils se sont pas dit hey, voilà, les traces du rondin s'arrêtent là, maintenant on prend une voiture. Lol, nope. Il n'y en avait pas il y a 400 ans. Ah merde, j'ai un trésor. Est-ce que je peux remonter? Oh, et puis fuck it, hein. Je vous prends un trésor comme un gros mongol. Alors. Oh, ouais, c'est des effets de lumière. Attends, celui-là, t'as entendu? Voilà un truc qu'on voit pas tous les jours. Mon dieu. D'accord. Est-ce que c'était le bateau des Espagnols? Ouh. Alors, j'avais que là, c'est parti de la liste de Uncharted 1, je me rappelle plus du tout. Wow. C'est incroyable. Je pense qu'il a dû rester coincé pendant la crue de la rivière. On va jeter un coup d'œil? Non, attends. Tout ça me paraît un peu bizarre. Bizarre. On dirait que t'as jamais vu un sous-marin allemand en pleine jungle avant. Ah, je suis sérieux, Nathan. Tu sais quoi, t'as qu'à rester ici. Moi, je vais aller voir, et je t'appelle si je tombe sur des nazis. Ouais, on fait comme ça. Oh, attends. Tu veux garder ça pour moi? Ok. Je vais employer la manière forte. Alors... récompense débloquée, voir menu bonus. Hein? Qu'est-ce qu'on a? Oh, on peut... Ah oui, alors, moi j'ai des trucs à débloquer là-dessus. Moi, parce que je précommande le jeu, donc j'ai des trucs à débloquer. On a un nouveau skin? Ah, on peut changer le skin. Alors franchement, je dois avouer, je suis pas fan. Vraiment pas, donc je pense que je vais juste... ouais, je vais mettre Drake normal. Pour le let's play. Mais on peut changer le skin, etc. Et de ce que je sais, apparemment, on peut jouer Elena, on peut jouer d'autres personnes. Est-ce que c'est ici? Moi, je sais pas, je pense pas. Je pense qu'il faut contourner. Ou alors nager. On peut nager, oui. Là, la casquette, ça a l'air d'être un truc plutôt bien. Ouais, les effets d'eau, franchement, c'est vraiment cool. Donc oui, je disais, ce Uncharted 1, par contre,
En termes d'histoire, je dirais que c'est pas celui qui m'a le plus marqué. Celui qui m'a le plus marqué, c'est le 2 puis le 3. Mais alors là, j'avoue que je me souviens plus du tout. D'accord. Super, Baleno. T'es le meilleur. Orienté pour se balancer sur une ville. Mais ça, j'ai compris. On va pas faire le Spider-Man pendant 30 ans. Ah, voilà, ok. C'est juste moi qui avais mal fait, peut-être. Hein, je sais pas. On peut monter ici déjà. La partie escalade du jeu. Oh non, j'y étais. Allez, monte Nathan. Nathan. Ok, ouais, donc ça sert peut-être pas à rien de. Enfin, ça sert pas peut-être à grand chose de faire. De se balancer pendant 3 ans. Par contre, aussi, un truc que je suis un peu déçu, c'est que dans cette édition, ils ont pas mis Uncharted de Golden Abyss, l'opus sorti sur PS Vita. Et ça aurait été bien qu'ils le mettent dans. Qu'ils le mettent en version PS4. Ça aurait peut-être fait Enfin, pour eux, j'aurais plus vu ça, quoi. C'est. Hey, fais gaffe là-haut! Ça fait une sacrée descente! Ouais, j'avoue. Genre, mais ça aurait été bien qu'on puisse y jouer sur PS4. Alors, je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis. Moi, je trouve ça plutôt dommage, j'aurais bien aimé. Oh, mais c'est beau! C'est pas ici qu'il faut aller? Ah, d'accord, oui, ok. Ici, ici. Hop! D'accord. Ok. J'avoue que j'ai un peu peur de me casser la gueule. Hop. Là, je pense que c'est fait exprès, genre. Nate, tu devrais pouvoir de là descendre directement dans le sous-marin. D'accord. Par contre, tout à l'heure, j'ai vu une sorte de. Donc avant de rentrer dedans, là voilà, regardez, il y a un truc. T'as fait ton rappel anti-tétanique ? Là, c'est marrant. Ah, les blagues de suite. Mais là. On a quoi ? Boucle d'oreille Inca en or et turquoise. D'accord. Ça doit se revendre, ça. Je l'avais vu tout à l'heure, je voyais le. Le truc qui. Bah, pas qui clignotait, mais qui. Bon, voilà, je l'avais vu avant de monter sur le bateau. Au tout début. Oula, par contre, ça doit être assez juste. C'est bon, j'y suis. Moi, dans le dos, je prendrais mon arme. Quelque chose d'horrible est arrivé à ces gars. Il y a du sang partout. Et de la soupe. Quoi ? Ok. Ce spam de boutons triangle. Ouh. Oh, par contre, c'est pas normal qu'il ait ce truc là, le. Attendez. Bonus. Récompense. Skin. Voilà, oui, ok, je vais rajouter un truc. Parce que j'avais une Naughty Dog, je me suis dit, mais c'est pas du tout. Voilà, là il est en mode normal. Je préfère qu'il ait ses amis normaux plutôt que. Oula! Ça, mon pote décomposé de l'au-delà. D'accord. Je crois que la piste se réchauffe. Comment ça ? Eh bien, je viens de rencontrer un type avec les poches pleines d'or espagnoles. Seules les pièces sont frappées d'un sceau que j'avais encore jamais vu. Tu le fais marcher. On dirait que nos amis allemands ont un petit secret. Nous, bah non, on a les Allemands, on a les Espagnols. On a un peu tout le monde.
Alors, franchement, cette partie du jeu, je me souviens plus du tout. Je me souvenais qu'il y avait l'histoire d'un sous-marin. Mais ouais, plus... Pas que c'était les Allemands qui avaient... Enfin, qu'il y avait une histoire comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'on va trouver ? Pratique. Ouais. Dans la cabine du capitaine. Et devine quoi ? Il est toujours là. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je crois qu'il a été tué et découpé en morceaux. Triste fin. Ouais, ouais, c'est horrible. J'ai eu les poches. T'as du cœur, Sully. T'as quelque chose, gamin ? UK-2642. UK... UK... UK-2642. Je t'ai eu. Est-ce que ça va ? Sully, tu vas jamais me croire. Vas-y. J'ai trouvé la page manquante. Tu rigoles ? On dirait que Drake et nos amis allemands cherchaient le même trésor. Et j'ai la carte qui va nous y mener direct. Nate, j'espère que c'est pas encore un de tes sales plans. Il faut qu'on ramène quelque chose, sinon... Sinon quoi ? Sully ? T'es là ? Sullivan ? Ouh... D'accord. Donc on a la piste pour aller chercher le trésor. Par contre, est-il arrivé quelque chose à celui ? J'espère pas. Oh, oh, non, non, non. Ça me dit rien qu'il vaille. Cours, 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 cours. Bonjour. Hey. Un ami à toi, Sully ? Je suis Gabriel Roman. Ouais, je sais très bien qui tu es, sale con. Restons polis, jeune homme. Tout ceci n'est que du business. Va par là ! Doucement ! En l'air, les mains ! Ça va ? Bon, votre ami me doit de l'argent, monsieur Drake. Beaucoup d'argent. Alors, quand il m'a dit que vous étiez sur une grosse affaire, la découverte du siècle, selon lui... Eh bien, ça m'a intrigué. Mais il a déjà fait de grandes promesses, n'est-ce pas, Victor ? Et là, ça recommence. Encore des paroles en l'air. Oh là là, il est toujours comme ça ? Calme-toi, Navarro. Alors, je crains que tout soit terminé. À moins, bien sûr, que vous ayez trouvé quelque chose là-dedans, monsieur Drake. Quelque chose qui pourrait compenser tous ces désagréments. Ils se foutent de toi, Annette, ils ont tout entendu. Donne-leur la carte. Tout doux. Une carte de la Kriegsmarine ? Quel rapport avec Eldorado ? Quoi ? Tu crois que c'est une coïncidence ? Les Allemands cherchaient le même trésor. Cette carte a un lien avec tout ça. Alors, on est quitte ? Pour l'instant. Mais voilà un petit quelque chose contre l'amnésie. Allez, c'est bon, laisse-le en dehors de ça. Ouais, vous êtes pas plutôt du genre à couper un doigt ou un truc comme ça ? C'est bien trop vulgaire. Non, je pense que ça lui fera un peu plus mal. Voilà, oh, 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 oh ! Allez, Roman ! Il a rien à voir avec... Sully ! Sully ! Espèce d'enfoiré !
Ok, donc dans le plus grand des calmes, Sully est mort. Il me tire dessus. Hop. Alors. Cours, 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 on attend. Il faut courir. Tout doux, cobaye. Ça, c'est pour m'avoir laissé tomber. Mais qu'est-ce que tu fous ici? Écoute, je suis une assez bonne journaliste pour suivre deux voleurs de tombes. Chut. Il est passé par là. Il te reste plus qu'un voleur de tombes. Sully est mort. Ouais. Et on sera les suivants si on reste là. Oh mon Dieu, je suis désolée. S'il te plaît, dis-moi que t'as un flingue. Bien sûr. Oh, merci. Allez, c'est parti. Ok. Donc Elina nous a suivis. D'accord. Drake, attention! Mais ta gueule! Merde. Les laissez-moi passer! Merde! Je pensais pas que ils allaient être là. Merde. Tu passes ton temps à te faire tirer dessus. Ils tirent dessus aussi, tu sais. Oui, on n'est pas les seuls. Je le vois. Oh merde. Pas ici. Ok. Ok, là on va s'amuser. Ça c'est pour Sully. Ok. Non, je voulais me cacher, pas me faire une roulade. Ok. Ok, monsieur prend ça, merci. Ok, headshot. Déjà on a récupéré une AK, on récupère des munitions pour la casse, c'est plutôt cool. Oh merde. Ils sont où? Ouais. Peut-être c'est parce qu'on est en normal hein, que ce soit pas si difficile. J'aurais peut-être à passer en difficile là après ce combat si. Je sais pas si on peut. En tout cas, si j'en peux pas, je le ferai pour le Uncharted 2, mais bon. Ok, ils sont pas là. Oh, ils me récupèrent des armes pour le tracker. T'éloigne pas. Ok. Oh merde, ils étaient deux. Je pensais qu'il était tout seul. Ou alors, est-ce que c'est le même? C'est le même, mais que je pensais l'avoir tué le premier coup. Mais non, je l'avais pas tué. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Je le sais pas. Une longue histoire, je te raconterai plus tard. Ah oui, heureusement qu'on a tout cassé, qu'on peut, on n'est pas obligé de refaire tout le truc. Hop. Oh merde. Oh, dans les jambes. Non mais je... Ok. Quoi? Ok. Oui, en fait, je l'ai pas dit, mais quand notre écran devient gris, c'est qu'en fait, on se fait toucher. Et donc, notre barre de vie représente en fait la comment dire, représente la couleur de l'écran. Enfin, est représentée par la couleur de l'écran. Et voilà. Ok, par contre, c'est pas que je préfère tirer avec ça. Merci. On va récupérer les missions sur ces petits cadavres. Oh merde. Par contre j'aurais juste me mettre. Voilà. Merci. Et il y en a qui se met devant comme ça en mode aucun respect. Moi ce qui me faisait rire c'est tout à l'heure là quand elle devait être un peu distrait et qu'elle fait pas de répit, hein. Qu'elle la gueulait. Planque-toi. Ces gars là rigolent pas. Bon, okay, on a l'échelle. Hop. Ils sont pas là? Je me suis dit, il y en a avoir quand même là. Là, c'est sûr, il y en a avoir. Il y a des trucs pour se cacher. Voilà, je l'avais dit.
Ok. Après, c'est peut-être moi qui suis nul aussi. Ok, on l'a headshot. La headshot fait pas mal de dégâts, hein, j'ai l'impression. Après tout, c'est normal, hein, ça fait mal hein, sur la tête. On n'a pas cassé ce truc. Ok. Voilà. Nous on s'en fout, on passe pas comme tout le monde. Ah, on peut. D'accord. Voilà. Oh merde, des grenades. Crève. Ok. C'est plutôt compliqué. Ok, ils sont tous morts. J'ai l'impression. Phew. Alors. Ok, on est full en munitions. Pas en munitions d'AK-47, mais en munitions du petit pistolet. On est full. Reste près de moi. Par contre, comment on va sortir? C'est la question. Le v'là. Oh merde! Je pensais pas qu'il y en avait là-bas ici. Il est là-bas. Mais ils sont. Le mec il est venu avec son armée ou comment ça se passe? Je te tiens, ordure. Bonjour. Merci. Par ici, je crois. Comment ça, par ici? Ouais. Par là. Ah, il y a la voiture. T'as toujours été si populaire? Bah, on dirait que j'attire toutes les ordures de la Terre. Elle prend pas pour toi. Oh, j'avais compris, ouais. T'as une bonne mémoire? Pourquoi? UK-2642. Tu retiens? Ouais, qu'est-ce que c'est? Les coordonnées de la Kriegsmarine. Je sais où les Espagnols ont mis Eldorado. Eldorado? Le problème, c'est que je suis apparemment pas le seul. Merde! Si les Espagnols ont trouvé le trésor, ils ont dû le cacher là, sur cette île. Et Drake les a suivis. Bon alors, qu'est-ce qu'on attend? Je vais avoir mon histoire, et toi, t'auras le truc que tu cherches. Allez. Hé, tu sais, ça va pas être des vacances. Je sais me débrouiller toute seule, tu sais. Et en plus, tu me dois quelque chose. Si tu le dis... Sur la piste du trésor perdu d'Eldorado, qui nous a menés ici, sur cette petite île au beau milieu de l'océan Pacifique. On va s'approcher un peu. Et espérons qu'on soit les premiers. Allons-nous découvrir les ruines d'une colonie oubliée et une fortune en or espagnole? Ou est-ce que cette île nous réserve des surprises bien plus sombres? Ça devrait les empêcher de zapper. Attends, c'était quoi ça? Des tirs anti-aériens. Ça, ça ne fait pas du tout. Oh merde! On est en feu! Éteins cette boutique caméra, on va le voir sauter! Sauter? Il y a des parachutes là-dedans, moi! C'est le moment de le découvrir! Oh! J'espère que ces trucs marchent encore! On va pas tarder à le savoir! T'as déjà fait ça avant? Bien sûr! Faut juste sauter, compter jusqu'à 5 et tirer la corde! Maintenant, vas-y! Tu viens pas? Je suis un peu occupé, tu vois! Allez, saute! Oh! On se retrouve en bas? Vas-y, je te suis! Ouais.
fait sauter, compter jusqu'à 5 et tirer la corde. Rien de sorcier. Oh merde. Ah, t'as truc. Ah, oh merde. Oh merde. Merde, 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 merde. Oh merde! Attaqué par les inconnus, j'oublie la carte dans un avion en flammes, je perds Elena, qui est sûrement morte. Continue comme ça. Ok. Vraiment chanceux, hein, le mec, il a le seul parachute qui est niqué. Et donc, bah, il a par contre pas de chance. Alors, est-ce qu'on a toujours notre... Non, on n'a plus notre AK, mais on a notre petit flingue. D'accord. Ok, je vois ce qu'il faut faire. Bonjour. Par contre, on est à 26 minutes. Bon, on va continuer un peu parce que sinon, en vrai, ça fera peut-être un épisode un peu court. Je pars sur du 30-35 minutes pour les épisodes. Et si je commence à gratter un petit peu de l'épisode, ce sera un peu mauvais. Alors, par où faut passer? Là, j'ai cru voir un petit truc qui brillait. Ouais, une amulette de poisson en argent. Je pense que ça vaut pas autant que ça. Mais bon. S'ils veulent. Par contre, on est censé passer. Peut-être par là. Je sais pas. Bon oui, voilà. Je cherche pas les trésors, mais si j'en croise, si j'en vois, bah je les prends quoi. On va pas être con à ce point-là. On va pas être si fermé d'esprit, on va dire. Oh mais c'est vraiment beau. Est-ce qu'on va avoir des ennemis ici? Logiquement, peut-être. Je sais pas. Alors. L'un des meilleurs! Bien évidemment. Ok. Alors. Voilà. Tu sais, je me sens que sur PS3, il fallait utiliser le 6x6, c'était assez chiant. Et voilà. Ok. Il est là-bas. Ok, meurs. Ok, attends, mais je vais mourir là. Ok, faut que j'enchaîne un peu de vie. Ok, un de mort. Ok, deuxième d'abord. Et toi? Oh merde. Voilà, il est mort. Heureusement qu'on n'est plus obligé d'utiliser le 6x6. Le 6x6 en fait c'était sur PS3, on était obligé de bouger la manette, de faire comme si on était en train de... Enfin c'était un peu nul. Ah d'accord, on peut aussi tirer comme ça, c'est peut-être plus simple. Quand les ennemis sont proches, dis-moi, je pense. Ok. Oh non. Mais on va avoir tous les ennemis? Ok, un de mort. Mais ils ont des grenades et pas nous. C'est nul. On en a pas encore eu des grenades. Meurt. Ok, lui il est mort. Oh, headshot. C'était beau, je suis vraiment à tag.
Attends, par contre, est-ce qu'on peut... Ok. Je vais comment on faisait. Par contre, on va arrêter de se battre. Ça pourrait être sympa. Ok, cette fois, je m'en souviens. Elle est horrible. Genre, je me souviens que là, j'étais mort je ne sais combien de fois. Ok. Je le vois. Ok. Ok, lui est mort. Bonjour. Oh merde. Ça devrait les réveiller pour de bon. Par contre, j'ai qu'une petite arme, attends. Ce serait bien que je chope. Oh, des grenades! Et même pour lancer des grenades, c'est ce que c'est ici, je me souviens. Sur Uncharted 1. Ils avaient retiré ça dans le 2. Le 3. Enfin, à partir du 2. Ouais, par contre, je me fais un peu tirer dessus. Oh, une AK! Oh, merci. Ok. Ok. Alors, attendez, ils sont où? Ok, bon. Voilà. T'es mort. Allez, c'est le dernier peut-être celui-là. J'ai du mal à le voir lui. Par contre lui il me voit bien. Voilà. Attendez, on va juste se cacher. Et recharger nos munitions. Parce que là on commence à plus en avoir beaucoup. Donc je me gratte l'œil. Ok. Le voilà. Ok, lui il est mort. Ok, t'es mort. On n'est pas sur un vrai FPS, on a des... Des LED à viser, etc. Du coup, il est là. Mais j'en avoir combien les ennemis? Trêve. Alors t'es pas mort. Ok, merci. On va aller récupérer des munitions, on en a plus beaucoup. On a plus de 19 balles. Non, je suis pas piégé du tout. Ok, lui là par contre je crois qu'il avait un fusil à pompe. Et le fusil à pompe ça fait mal. Allez meurs. Ils sont tous morts. Bon, je me souviens qu'ici dans cette phase j'avais galéré sur PS3. Ça tombe à pic. Et j'avais plutôt pas mal galéré. Mais ouais non, j'ai l'impression qu'ils sont... Ils sont tous morts. Ok. Bon. Par contre, plus heureusement... On est à 35 minutes de vidéo, je pense qu'on va cesser là pour cette vidéo. J'espère que cet épisode d'Uncharted, The Nathan Ray Collection, vous aura plu. Nous, on se retrouve très prochainement pour la suite, et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao!